Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On rattaque, c'est reparti pour une semaine de live. Et ben aujourd'hui, je suis avec Arnaud Huc. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour tout le Comment monde. ça va? Est-ce que tu as la pêche? Ouais, ça va, tranquillement, on reprend doucement les choses. Ouais, carrément. Et ben écoute, ça fait trop plaisir de te recevoir à nouveau. Tu étais déjà venu nous C'est voir. repartagé, ouais, c'est cool. Ouais. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Thierry, qui est du côté YouTube. Ouh là là, j'en perds mes écouteurs. Bonjour à Jamila, Virginie. Bonjour Delphine, Sébastien. Il y a tous les habitués là. N'hésitez pas à nous poser des petites questions pendant le live. On est là pour ça. Et aujourd'hui, on va parler de réalisation avec toi. C'est cool. On n'a pas souvent des réalisateurs. C'est ce que je me disais. Et tu nous as programmé pas mal de trucs. Ouais, j'ai Je préparé vais t'en dire des un peu petites plus. séquences. Après, ça, vous de me dire un peu ce qui vous donne envie par rapport à ce que j'ai pu préparer. Ouais. J'essaie de préparer des petites choses. Ouais, non, mais carrément, il y a pas mal de trucs. Bonjour à Camille qui nous rejoint, Greg. Voilà, je crois que les gens arrivent tout doucement. Par quoi on commence? Est-ce que tu nous parles de tes actus, peut-être? Ouais, bah en ce Du lecture moment, bon nouveau. bah les actus, il n'y en a pas mille non plus parce que la période fait que, notamment pour les tournages. Mais là, je viens de finir mon court-métrage, dont on parlait bah, tout à l'heure, Lara, qui est terminé mais qui pour l'instant ne peut pas être projeté Ouais. et qui sera pas diffusé. À l'habitude de mes courts-métrages, que ce soit, on avait parlé d'Anita, hashtag Anita la dernière fois, c'est des films qui sont plutôt diffusés sur Internet. Là, le but, c'est que ce soit diffusé quand même. En festival, donc il sera pas tout de suite sur Internet. Donc c'est pour ça, là-bas, je voulais faire une petite avant-première. Et bon, bah, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, mais on va pouvoir quand même l'envoyer en festival, donc ça, c'est cool. Et puis, sinon, bah voilà, des petits montages, du petit motion, parce que je fais aussi du montage motion. Donc j'avais fait dernièrement la carte de vœux de Disneyland Paris. Et puis voilà, puis je donne des petits cours dans une école d'art à Paris, en réalisation et en motion design. Et voilà, en gros, à peu près. Et là, je reprends l'écriture un peu d'autres Oui, c'est choses. vrai que oui, il y a le temps de se pencher peut-être un peu sur. Ouais, c'est ça. Du coup, là, je vais essayer de me pencher sur une série que j'avais commencé un peu à écrire, à la trame et tout ça, qui est une série de fiction sur l'histoire des ondes gravitationnelles. Parce que je Ok, suis ah, trop passionné cool. d'astrophysique, etc. Et du coup, j'essaie d'écrire quelque chose un peu là-dessus. Ah, trop bien, Et de mais vulgariser en même temps un peu la chose, de ce ouais, qu'est les ondes carrément. gravitationnelles, etc., etc. Mais Donc voilà. ça me rappelle, est-ce que tu avais vu la session qu'on avait faite avec Thomas Vance? Ouais, mais j'avais écrit et tout ça. Ouais. Ouais, J'étais à fond, ouais, bah parce que je trouve ça trop ouais. cool ce qu'il fait. Et du coup, bah, je sais pas, on a pas trop échangé pour l'instant, mais à l'occasion, j'espère. Mais parce qu'il demandait s'il y avait des contacts, oui, d'une astrophysicienne et tout ça. En fait, je travaille avec une astrophysicienne du CNRS. Pour ce projet, ah, trop Et cool. du coup, ouais, qui m'aide à délier tout ça, parce que le but, c'est de vulgariser un peu ça, quoi. C'est une série sur l'espace, mais je ne veux pas montrer des images de l'espace, parce qu'on en a déjà suffisamment vu, et de suivre une jeune maman scientifique qui analyse les ondes gravitationnelles et tout ça. Et voilà. Ah, Et je c'est voulais que ce cool, soit une femme, parce qu'en tant trop que mec, on a souvent, par définition, par défaut, on écrit souvent pour un mec, parce qu'on arrive plus facilement à se projeter, comme une femme pour une femme, je pense. Et du coup, j'essaie de me donner enfin, le défi d'écrire vraiment pour un personnage féminin, etc., etc. Ah, c'est marrant. Bah tiens, j'ai envie de poser la question dans le chat. Si vous deviez écrire une histoire de quelqu'un, est-ce que vous écrivez? Oula, ça fait beaucoup de verbes compliqués. Est-ce que vous écririez plutôt vos textes opposés ou... Parce que tu vois, moi je me dis que ce serait plus facile d'écrire pour un mec parce que j'ai été tellement bercée d'histoires d'hommes partout. Tu vois, le cinéma, c'est la Bah ouais, c'est diabolique triste. Et puis, quand même. Et du coup, tu vois, je suis pas sûre que ce soit plus facile d'écrire une là, on est histoire. pile dans une époque où il y a toutes ces questions-là qui se posent sur le féminisme et tout ça. Et effectivement, il n'y a pas, bah, comme aux États-Unis, où il n'y a pas assez de gens racisés, noirs, Ouais. dans les Golden Globes, Oscars et tout ça. Et les femmes, c'est aussi pareil. On voit très bien qu'il n'y a pas assez de femmes, soit qui jouent, soit qui réalisent, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, moi, à la limite, même, j'essaie de me dire, j'écris un personnage et je le sexualise pas du tout.
Et si du coup je le sexualise pas du tout, je me dis bah ça peut être une femme comme un homme, donc autant choisir une femme, ça sera toujours mieux et plus intéressant. Donc c'est la démarche que j'essaye de faire là dans mes futurs projets, parce que c'est pas que les femmes qui doivent défendre aussi les femmes, c'est aussi c'est un problème pour tout le monde quoi. Carrément. Donc c'est aussi un peu aux hommes de prendre le relais. Enfin voilà, je veux pas faire dans la Ah oui, mais tu démagogie sais que ça me fait plaisir. simple et tout ça, Ah, mais alors j'essaye voilà. de j'essaye de faire cet exercice-là et voilà quoi. On a pas le corps un peu le problème. C'est cool. Je sais pas quel conseil tu pourrais donner à la génération des gens qui voudraient être réalisateurs vis-à-vis de ça, tu vois. Et bah alors déjà être bah de on a souvent le problème de la peur de faire de la merde, donc d'être de l'échec. Et en fait, il n'y a rien de mieux que d'apprendre en faisant plein d'erreurs, quoi. C'est comme ça que que t'apprends. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et du coup, je pense que le pire dans ce métier-là, parce que c'est un métier quand même assez compliqué, où il y a quand même beaucoup de monde sur le marché, donc c'est pas toujours facile d'entrer dedans, mais du coup, il faut vraiment y aller, quoi. Bon, soit par des écoles, soit par autre chose. Bon, moi, j'ai pas fait d'école, mais voilà. Mais du coup, se donner des deadlines. Bon, j'avais réagi un peu justement à chat sur, je sais plus son prénom, mais de l'émission que voilà. Mais en gros, c'est de se donner des défis, des deadlines et filmer des trucs, parce qu'en général, dans le taf, les gens ils veulent voir ce que tu as fait. Donc, tu vois, si t'as rien à montrer, tu peux pas trop taffer. Donc, il faut faire des trucs à côté Oui, et carrément. t'amuser à les faire, quoi. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais. Aujourd'hui, tu peux filmer avec un iPhone, tu peux voilà. Et le plus important, c'est le son OK. plus que l'image, parce que les émotions passent aussi par le son et surtout. Donc c'est le plus important de traiter son son. Si l'image est pas ouf, c'est pas très très grave. Et du coup voilà, de pas avoir peur de faire ça petit à petit. Se lancer et d'apprendre sur ça. Oui, on Bah ouais. a Châtelain qui nous a rejoint et qui dit bonjour, je suis là pour en apprendre un peu plus sur le métier de réalisateur. Donc du coup, trop cool. Immersion, bonjour. Abdou, voilà. Ben voilà, il précise, j'ai envie d'apprendre. Je propose mes services en tant que bénévole ou d'assistant. Et ben, je Et crois ça, que c'est hyper intéressant, justement, cette réponse-là, parce que qu'est-ce que moi, par t'en penses, exemple, ouais? vu que je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, j'ai pas fait d'école, etc. Bah, du coup, il y a un site comme ce qui s'appelle cinéaste.org, où tu as Ouais. des newsletters, où tu as soit des contrats payés, soit des contrats bénévoles pour aller aider sur des tournages, etc. Et ça t'apprend plein de choses, ça te fait rencontrer des gens, montrer une petite équipe. Donc ouais, ça c'est intéressant. Moi je sais que j'allais par exemple à l'époque du studio Bagel, hein, qui n'est plus trop qui existe plus trop aujourd'hui, et ben j'allais faire de la figuration, par exemple. Je répondais à des trucs de figuration et ça m'a permis d'aller rencontrer des ludocs, etc., qui étaient réalisateurs chez Studio Bagel, pour apprendre déjà le métier, et puis rencontrer les gens. C'est hyper important d'échanger, de voir avec des gens, de faire des collabs. Moi j'adore faire des collabs, écrire tout seul par exemple, ça m'intéresse moins. Mais voilà, trouver des gens, ne pas avoir de matériel, c'est souvent l'excuse qu'on se donne, et aujourd'hui c'est plus trop le cas, c'est vraiment, on en trouve facilement, etc. Donc ouais, c'est faire tout ça. Et puis sur internet, on trouve plein 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 de choses, en tuto, en bouquin, etc., sur la réalisation. D'ailleurs, il y a Ludoc, le réalisateur dont je te parle, qui fait des vidéos sur Internet et plein d'autres, a sorti un bouquin là récemment. J'ai plus le nom du bouquin, mais Ludoc, c'est un bouquin sur la réalisation et sur le montage et tout ça, qui est très intéressant. Donc je conseille vivement aux gens de l'acheter, parce que c'est vraiment plein de bidouilles, plein de système D, comment commencer avec peu de choses, comment faire un travelling avec des tuyaux en PVC, etc., etc. Ah ouais, mais on l'a tous fait avec un skate et Exactement. Et ce bouquin, c'est vraiment super. Donc, C'est trop bien, ouais, c'est super cool. c'est vraiment, vraiment pas mal. Je sais plus c'est quoi le bouquin. Il faudrait que je retrouve le nom du Bah livre. écoute, C'est on va retrouver ça et Le puis on mettra manuel le de lien dans le survie du chat. vidéaste. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, Que vous trop cool. Bah c'est trouverez vrai. sur Fnac et tout ça. Sur le fait d'aller faire de la figure dans les endroits que vous aimez bien et tout, ça marche super bien. Je me rappelle, ils avaient partagé, bah justement, Ludoc, un behind the scene là, dans le tournage, et il disait, Ah, ça, c'est machin, regardez, il était là sur le tournage de trucs, il faisait de la figure, et maintenant, il est connu. Tu vois. Mais c'est trop ça. Et regarder des Donc, making-of aussi. C'est hyper. ouais. Ça permet de bien.
Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Alors la tournée des bisous des gens qui nous rejoignent. Bonjour à Quentin, Alexandre. Il y a Franck qui est là, il dit on ne voit jamais assez d'images de l'espace. Oui, non, mais je Carrément. sais pas ça pour ça. C'est-à-dire que bon, ça va être un peu long, mais en gros, je trouve qu'aujourd'hui, on voit les FX et tout ça. On fait attention aux FX seulement quand ils sont pas bons. Parce qu'aujourd'hui, faire des images avec des grosses prods et tout ça. Et ce que je dis dans ma note d'intention, d'ailleurs, une note d'intention, c'est en gros une sorte de pourquoi je veux faire ce projet, comment je le vois, comment je souhaite le réaliser, et avec tout ce qui est un peu le côté artistique. Ça, on écrit souvent ça, soit pour un court-métrage, un long-métrage, une série. C'est une note d'intention du réalisateur ou de l'auteur ou des deux. Et du coup, ça nous permet de dire, bah, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai dans ma tête et ce que j'aimerais porter à l'écran. Et ce que je disais dedans, c'est que par exemple, on fait beaucoup plus attention aux problèmes scénaristiques des dernières Star Wars que des effets spéciaux. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le milieu de la science-fiction, surtout des Américains, on voit beaucoup de films ou de séries où il y a des magnifiques images de l'espace, mais Oui, c'est vrai. scénaristiquement parlant, c'est naze. Et Oui. scientifiquement, ça n'a aucun sens. Et souvent, c'est les Américains, le beau mec, donc un mec qui va dans l'espace, qui va soit analyser un truc, soit sauver d'une météorite ou autre, et puis il sauve les États-Unis, donc le monde, et voilà. Et du coup, j'avais envie de changer ça et de pas forcément montrer l'espace. En tout cas, c'est la maman qui raconte des histoires à sa fille le soir, et ce serait le seul moment où on voit de façon un peu onirique des images de l'espace, quoi. Mais voilà. Donc je voulais un peu casser ça, et surtout qu'en France, le cinéma de genre où les séries de genre sont très très difficiles à produire en France. Donc j'ai essayé de me dire, tiens, je vais faire du cinéma de genre, enfin de la série de genre, sans les codes compliqués à mettre en place en France. Alors, bah justement, moi, j'ai des questions par rapport à ça. Quand tu te lances dans un projet, quand tu dis, OK, ça y est, j'ai envie de faire un film, j'ai une idée, c'est quoi les étapes? Comment tu commences? Tu vois, par exemple, là, pour ceux qui nous regardent et qui auraient envie de dire, OK, vas-y, je lance, je veux faire des films, comment tu t'y prends? Parce que comme ça a l'air d'être une montagne gigantesque. Bah, ça dépend en fait du projet. Ça dépend, tu peux partir d'un concept, d'une idée d'un concept. Ça, pour le court-métrage, c'est souvent un peu ça. Par exemple, là, en ce moment, il y a le Nikon Film Festival. Ça part d'un mot, enfin là, c'est « je suis un jeu » en ce moment. Et bah, tu vas partir d'une phrase, d'une idée, d'un concept, et tu vas du coup écrire tout autour ce qui se passe. Donc ça peut être ça, une idée de base, un concept. Moi, par exemple, dans Promo, un court métrage que j'ai fait, c'est un mec qui économise plein de thunes et qui veut s'acheter une télé parce qu'il se dit ça va le rendre socialement plus attractif, etc. Il va pouvoir inviter des filles, etc. Et bon, tu te rends compte qu'au final, il achète une deuxième télé qui est juste un tout petit peu plus grande. Et en fait, c'était ça, ma trame. Je dis, bah, c'est un mec, il économise. Et donc, c'est pareil, c'était par rapport à la surconsommation, etc., etc. Et je me dis, bah, tiens, en fait, il dépense toute sa thune pour s'acheter une deuxième télé, alors qu'il y a déjà, à peine acheté, il y a déjà la meilleure télé ou le casque VR qui permet déjà de faire d'autres choses. Donc ça, c'était le concept, et puis tu brodes un peu autour. Pareil pour Anita, le court-métrage juste avant, on s'est dit, bah tiens, t'imagines si une fille... C'est souvent, c'est t'imagines si... Moi, je sais que souvent, ça part de ça. Et après, ça peut être juste partir d'une envie, d'un thème ou de choses comme ça, de dire, bah tiens, si un personnage lui arrive ça, bah tu vois, c'est toujours comme ça, c'est toujours avec des si, et si il se passait ça, et si il se passait ça, et si il se passait ça. Et puis quand tu commences à avoir des bases de ces choses-là, bah, le but, c'est de commencer à écrire ton personnage, lui inventer une vie. Moi, ce que je fais souvent, c'est que, et genre dans mon dernier court-métrage, même si c'est un truc de 20 minutes et que tu prends juste une tranche de vie, et bah je dis, bah, ce personnage-là, il a fait Polytechnique, il a appris genre la gestion de l'énergie du bâtiment, et aujourd'hui, il est avec cette copine-là, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, il a une maman qui est infirmière, il n'a pas de papa, et du coup, sa mère s'est beaucoup occupée de lui, donc elle est toujours un peu présente. Donc en fait, d'aller beaucoup plus loin que le texte original que Ouais. tu veux. Parce qu'en fait, selon comment est ton personnage, son caractère, ce qu'il a vécu, son histoire, bah, ton histoire va pas du tout, enfin, il va pas du tout réagir comme quelqu'un qui est timide, réservé, ou l'autre qui est extraverti et qui va justement décoller, faire des trucs un peu plus faciles que l'autre. Donc voilà, mais après, il n'y a pas vraiment de règles. Après, il y a des Bah, bouquins. déjà, ce que tu me dis, c'est que tu commences avec une volonté de raconter une histoire. Ah bah oui, ça, de toute C'est façon, ça, donc c'est la base de la base. c'est ça, c'est de, voilà, et de,
Et de et même si tu peux avoir, ou tu peux avoir juste un mec qui part de là et il arrive à la fin, il est comme ça. Parce que des fois, tu as déjà la fin du film et tu sais d'où il part et tu sais que tu as déjà la fin. Et après, le but, c'est de dire, de mettre plein d'obstacles à ce personnage et avec ces obstacles-là, voir qu'il galère. Et du coup, ça permet au spectateur de s'identifier, d'être en empathie, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de choses, mais pour le scénario, de toute façon, il y a plein de bouquins qui existent. Il y a Save the Cat, il y a la dramaturgie, le guide du scénariste et tout ça, et ça permet de voir les archétypes, de voir comment gérer l'empathie, l'ironie dramatique, par exemple. Il y a un procédé qui s'appelle l'ironie dramatique. Si c'est chiant, il faut m'arrêter, hein. Mais Non, écoute, moi j'écoute. Dites-moi j'ai si vous préparé avez des trucs sur des. After, des trucs, mais si là on fait juste, enfin je peux juste parler, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, par exemple, l'ironie dramatique, on en parle et c'est hyper intéressant. Et on prend souvent l'exemple de Hitchcock, la scène de Hitchcock. J'ai plus le titre en tête, mais c'est en gros deux personnes qui parlent face à face avec une table au milieu. Et le spectateur voit qu'il y a une bombe en dessous de la table, sauf que les personnages ne savent pas qu'il y a une bombe. Donc en fait, tu donnes de la puissance au spectateur dans le sens où lui sait alors que les personnages non. Ce qui fait que ça crée du suspense. Ce qui fait que genre et du coup le personnage il va se poser plein de questions. Il va se dire le personnage, le spectateur va se poser des questions genre est-ce qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils l'ont pas vu, est-ce qu'il y en a un qui le sait, il fait genre il a... Enfin du coup tu te poses énormément de questions, ce qui fait que tu t'intéresses beaucoup plus au film, quoi, parce que tu te poses plein de questions et t'es stressé pour eux, quoi. C'est est-ce que la bombe va péter, est-ce qu'elle va pas péter, est-ce que c'est une fausse bombe, est-ce que Je c'est... crois que je me rappelle de cette scène et je pense que je l'ai vue quand j'avais 7 ans et que ma mère faisait du repassage à côté de moi. Tu m'as balancé dans un flashback là, c'est fou. Non mais c'est vrai, Voilà, mais c'est ce je qu'on me appelle par rappelle de ce exemple film quoi. l'ironie dramatique. C'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est ce qui permet de vraiment ancrer le spectateur dans un film. Par exemple, le film Parasite, qui est sorti, que tout le monde connaît un peu aujourd'hui, il y a cette fameuse scène où tu as les parents qui se cachent. En fait, il y a les mecs qui reviennent de vacances pendant que les parents qui squattaient la maison, qui sont pas censés squatter la maison, se cachent en dessous de la table, etc., etc. Donc en fait, tu es stressé pour eux et tu es à fond avec eux parce que tu sais que eux se cachent, mais les propriétaires qui sont rentrés ne savent pas. Et du coup, tu es hyper avec eux. Voilà. Donc, Okay. c'est ce qui différencie, par exemple, du suspense, de la surprise dans l'écriture. C'est vachement bien de faire des surprises, mais il faut savoir que ça dure qu'un temps. C'est une émotion qui dure qu'un temps, la surprise. Alors que le suspense, c'est-à-dire, je vais un peu spoiler, par exemple, mon film Anita, mais tu vois, à un moment donné, on montre qu'elle a un flingue dans son sac. Dans la voiture. Et du coup, c'était même une réflexion qu'on avait eue avec mes choréales. C'est genre, est-ce qu'on monte le flingue ou pas? Et eux, ils n'étaient pas pour au début. Je leur dis, ouais, mais en fait, quand elle va sortir le flingue pendant sa conférence, ça va être la surprise. Et après, ça va être fini. On va se dire, alors que là, si on monte le flingue avant et qu'en plus, on lui fait passer tout ce qui est fouille, sac, etc., les gens vont être stressés. Ils disent, putain, elle a un flingue, elle a un flingue. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va tirer sur quelqu'un? Est-ce qu'elle va. Enfin, tu vois, du coup, t'es beaucoup plus. Le suspense est plus efficace pour attraper le spectateur. Voilà, donc, c'est toutes des réflexions, des choses qui permettent d'écrire et de développer une histoire et de se dire, OK, et si, et si, et si. Et du coup, là, si le spectateur, c'est difficile. D'ailleurs, c'est souvent dans le bouquin, par exemple, La dramaturgie de Yves Lavandier. Il te dit qu'en fait, le meilleur procédé dans l'écriture, c'est d'en dire un maximum au spectateur. En fait, si tu caches trop de choses, ça peut être très dangereux, en fait, de D'accord. cacher trop de choses au spectateur. Et tu le choperas beaucoup plus facilement si tu. Enfin, il faut lui en montrer un maximum, quoi. Après, bien sûr, des petites surprises, c'est bien, mais voilà. Bon, c'est en gros ce qui. Je Maintenant, le suis curieuse, principe de est-ce l'écriture. que tu arrives à regarder des films encore sans les analyser, sans te dire ah, mais là, ils ont utilisé ça, ou Ouais, ça, en fait, ça dépend. C'est-à-dire si ça que devient compliqué? ça peut devenir compliqué. En fait, si je suis tout de suite ancré dans le film, je passe assez facilement outre et je me laisse juste guider. S'il y a un truc qui me tique, je vais tout de suite me dire, ah oui, d'accord. Donc, Ouais. tu vois, par exemple, hier, j'ai regardé Miss, donc un film où c'est un mec, c'est un film français, c'est un mec androgyne qui veut devenir Miss France.
Et du coup, très bon film, mais je me dis, bah, il va se passer ça, 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 ça. Il peut pas se passer ça parce que sinon ça fait un peu pauvre, etc. Et il se passe exactement ça, tu vois. Après, j'ai bien aimé le film, mais je me dis, bon, là, c'est plus dans l'émotion de comment tu travailles le personnage, l'émotion, que l'histoire en elle-même, parce que je savais exactement tout ce qui allait se passer, quoi. Mais parce qu'effectivement, T'as t'as le les cerveau qui tourne, mécanismes. ouais, et puis t'as le cerveau qui tourne en tâche de fond et qui forcément. Mais après, tu as des films, oui, tu passes totalement outre, tu te laisses totalement porter, guider. Moi, il y a un film que j'adore, là, qui est sorti, il y a pas, Jojo Rabbit, qui est pour moi un petit chef-d'œuvre. On peut s'attendre à ce qui se passe. Et moi, je me suis laissé totalement porter, je me suis pris une claque, quoi. Je me suis dit, ah, putain, bien joué, bien joué, bien joué. Et voilà, bon, c'est des petits procédés d'écriture, mais bon. Il n'y a pas de vrais conseils. En fait, les conseils, c'est de tester pareil, hein, c'est de tester les choses, lire des bouquins, analyser des films, voir des bons films, voir des mauvais films. Moi, je trouve que c'est hyper important de voir des mauvais Ouais. films, que c'est un contre-exemple Comprendre est un pourquoi ils bon sont exemple, mauvais. en fait, pour pas reproduire ou se dire, tiens, pourquoi ça n'a pas été bien? En fait, c'est bien de se dire, OK, pourquoi ça a été bien ici? Mais c'est bien de se dire, ah, pourquoi c'est pas bien là? Et comme ça te permet un peu de gérer le Mais truc. je trouve que c'est un conseil qui s'applique à tous les domaines de l'image, tu vois. Au C'est final, pourquoi vous oui. aimez bien quelque chose et pourquoi vous aimez pas une image. C'est essayer de comprendre, est-ce que c'est la couleur, la composition, le machin, le message. C'est Des ça. fois, c'est des images qui sont magnifiques, mais c'est super creux. Enfin, Ouais, c'est ça. Oui, tu peux avoir des films absolument magnifiques, beaux et tout ça, et te faire chier. et tu dis genre bon bah c'était beau et l'inverse quoi. Donc c'est intéressant. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Alors il y a Franck qui vous a partagé le manuel de survie du vidéaste. Yes, là, de lui, qui est un super bouquin, qui est un super réalisateur. Ouais, donc on vous a partagé le lien. Virginie dit merci de faire bouger les choses à ta façon. C'était sur la partie féminisme. Yes. Merci. Je vais tout caler une session. Allez, on parle 1 heure de féminisme dans le milieu de l'art. Franck dit le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Yoda. C'est toujours les petites punchlines. C'est ça. Bah, bonjour à Lise, Stella, Rémi. Oui, Delphine dit, mais la télé n'a jamais rendu plus socialement attractif sur ton premier court-métrage. Bonjour à Rufus, qui nous rejoint. Delphine dit, c'est passionnant, en fait, de t'entendre parler. Ah, bah merci, c'est gentil. Je regarde un petit peu. Delphine dit, Parasite, c'était fort quand même. Quelle histoire? Je ne l'ai toujours pas vue. Jamila dit, il faut toujours analyser une histoire avant de la tourner. Ouais, bah, c'est de la tester en fait, c'est de même de la raconter à des amis et tout ça, ou même faire lire le scénar, je trouve ça important, parce que le but c'est de tester quand même de comment ça marche, et puis les spectateurs ne réagissent pas du tout de la même façon, donc selon les scènes, etc. Bah, par exemple, dans mon dernier cours, je l'ai montré à quelques personnes, bah, t'as des gens même proches qui n'ont pas du tout vu la même chose dans ce film, tu vois, donc c'est ça qui est fou et c'est trop bien. Mais ouais, faut le tester, faut se dire, ah tiens, est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça marche, est-ce que voilà, ou s'il y a des petits ratés, de se dire, est-ce que je les assume, est-ce que je les assume pas, est-ce que ça, enfin, parce que des fois tu peux aller vers de la facilité, il y a plein de films où il y a des facilités, mais du coup, est-ce que je me permets cette facilité, est-ce que oui, non, ça permet de, etc., etc. Donc, Et des fois, on est aussi enfermé dans son truc, dans son histoire, et on se rend pas compte que finalement, c'est pas clair pour les gens en face. aussi, ouais. D'où le fait, c'est pour ça, c'est bien d'écrire à plusieurs. Enfin, je trouve. Après, il y en a qui écrivent très bien tout seul, évidemment. Mais moi, je trouve ça très bien. Ça permet de faire un ping-pong. Et puis voilà quoi. Enfin, d'avoir, parce que forcément, bah, comme dans tout travail créatif, hein, de toute façon, quand t'as plus de recul, ça devient compliqué, quoi. Donc, Oui, carrément. Est-ce que du coup, tu vas partager à des gens qui n'y connaissent rien et tu vas dire, bon, bah, c'est comme si tu sais, des fois, expliquer un concept à un enfant de 4 ans, ça permet de voir si tu sais l'expliquer. Ou est-ce que tu vas au contraire aller voir des gens qui sont un peu dans le cinéma, qui vont t'apporter un vrai regard critique Bah, petit? un peu des deux, parce que bah, de toute façon, naturellement, tu fais un peu les deux quand tu es dans le milieu de la vidéo, du cinéma, tout ça. Tu montres forcément à tes potes un peu qui travaillent dans le même taf, quoi, parce que c'est des amis proches, parce que souvent, c'est mes métiers passion, donc forcément, Ouais, tu montres à carrément. tes amis travaillent dans la vidéo, donc Et voilà. tes amis sont trop contents de lire ton nouveau scénario aussi, Et tu vois. voilà, et j'ai d'autres amis, effectivement, qui sont pas du tout dans le milieu, dans le métier. Et je leur fais voir quand même. Par exemple, moi, je l'ai montré là à mon frère et à ma sœur, qui sont absolument pas dans le métier, mais genre
Pas du tout. Et du coup, ouais, c'est marrant d'avoir leur retour, quoi. C'est assez sympa, ouais. Ouais, c'est bien de mélanger, ouais, les deux. Parce que tu vas avoir des avis complètement différents. Alors, pas différents dans tous les cas, mais en tout cas, tu vois, les professionnels qui vont te faire des critiques par rapport à l'audiovisuel et au cinéma, etc., et à l'écriture, et les autres plus sur le ressenti. Donc, du coup, tu peux mixer un peu tout ça et c'est assez intéressant. Ouais, carrément. Du coup, une fois que tu as ton scénario, que tu as ton histoire, que tu l'as envoyé et tout, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, ça dépend un peu, mais en général, tu vas découper ce qu'on appelle de faire un découpage. C'est-à-dire que tu vas découper, tu vas penser au plan que tu veux faire. C'est-à-dire que dans une scène, tu dis Michel veut manger une mousse au chocolat, il va dans le frigo, il va chercher sa mousse au chocolat et il se rend compte que, enfin, ses mains glissent, la mousse au chocolat tombe par terre. Donc, tu lui mets, voilà, des petits péripéties qui lui arrivent. Il arrive par terre, ça claque, ça casse, et voilà. Et du coup, tu vas dire, bon, bah, du coup, je vais prendre un plan large le temps qu'il arrive pour essayer de cibler, voir où il se positionne. Donc, c'est la cuisine, Alors etc. attends, est-ce que c'est juste écrit ou il y a des croquis, Il y a des il y a croquis. du Bah, ouais, mouvement? c'est ça. Bah, en fait, Ah moi, oui, ce que je je vois fais, un truc qui c'est. s'appelle découpage sur ton bureau en face de moi depuis. Yes, Est-ce bah, qu'on ouais, a par le droit de le exemple. voir? Bah ouais, Ah voilà, bien ok. sûr. Ça, c'est mon court-métrage, par exemple. Et ce que je fais, c'est que du coup, là, c'est divisé en enfin, plan-séquence. Donc là, les séquences, donc c'est les différentes scènes. Et dans chaque séquence, tu vas dire, tu as ici l'action, ce qui se passe, et le plan, ce qui se passe dans le plan et ce qui se passe dans la scène. Donc là, par exemple, là, c'est séquence 1, plan 1. Et là, c'est en gros, Lara ouvre une penderie et on sort d'Europe, puis qu'on part dans le miroir. Donc là, tu vois, c'est dit, c'est un plan serré de la penderie. Depuis la penderie, donc tu as la caméra qui est à l'intérieur de la penderie, il y a elle qui cherche tout ça. Et après, tu décris un peu, puis point sur Lara, donc vu qu'elle s'éloigne, elle part, tu as le plan, donc le point qui se fait sur Lara qui arrive devant le truc. Mais en vrai, je me dis, ouais, non, vu que, est-ce que j'aurais pu montrer le tout début de la scène? Je vous montre comme ça vite fait, je suis pas censé, mais si c'est juste le petit début. Parce qu'il Mais est censé carrément. être au festival. Mais par exemple, Pourquoi on n'a pas le droit de montrer les films avant en ou fait, tu as certains festivals qui veulent l'exclusivité. Ok. Mais tu vois, par exemple, je vous montre juste deux, trois plans, donc ça va pas. Mais là, ici, on voit, c'est Lara ouvre une penderie, on sort de robe, puis qu'on part dans le miroir. Et après, c'est Lara compare la robe devant le miroir, donc plan serré sur Lara, donc depuis le miroir. Okay. Donc là, on a deux plans, trois plans. Elle choisit sa robe, elle choisit la robe et la pose sur le lit. Elle entend un bruit d'un film au loin. Elle se retourne et s'approche de la porte, puis elle sort sa réplique. Tu vois, voilà. Et là, c'est écrit plan moyen, entrebâillement de la porte. Donc on voit le plan depuis l'entrebâillement de la porte, etc., etc. Donc vous voyez, par exemple, là, vous avez ces trois plans-là. Okay. Et donc là, si je mets le début du film, bon, le son, on s'en fout là pour le coup. Mais donc là, hop, le plan de la vue de la penderie. Ah, trop cool. Donc le plan serré depuis l'intérieur de la penderie, puis un point sur Lara qui se dirige devant le miroir. Donc là, hop, on voit elle se dirige devant le miroir. Hop. Bon, après, ton découpage, quand tu l'écris, le montage après revient Ouais. refaire ton film. Mais après, plan serré sur Lara qui est devant le miroir et qui compare les robes. Tu vois? Et après, hop, plan moyen, entrebâillement de la porte, élément déco distinct. Tu OK. vois, là, par exemple, j'ai mis un élément disco distinct, donc on va voir la photo sur la porte. Elle arrive et voilà. Tu vois. Donc ça, c'est le découpage. Donc ça, tu le réfléchis. C'est tout de suite après le scénario. Alors après, le mieux, c'est de pouvoir faire je vais y arriver, trouver les lieux, quoi, faire le repérage de tes lieux et tout ça. C'est toujours mieux de pouvoir découper ta scène. Quand tu connais les lieux. Par exemple, sur Lara, là, ce Ok. court-métrage-là, j'ai commencé à découper le film sans avoir les lieux parce que j'avais déjà tout bien en tête. Et après, j'ai redécoupé un peu selon l'appartement. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé pile l'appart que je rêvais d'avoir et qui était typiquement tout bien disposé comme je voulais. Donc ça, c'est chouette. Mais du coup, tu vas découper beaucoup plus facilement. Tu vas prendre des photos de ton lieu, etc., etc. Et tu vas commencer. Moi, je suis un peu, quand je fais ce document-là, par exemple, je suis un peu fou. Je me mets souvent debout.
et je me refais la scène moi-même, tu vois. Je dis, D'accord. OK, donc là, il se déplace, et je dis, bon, bah là, je vois bien un plan comme ça. Donc, hop, donc j'écris, là, plan large. Après, hop, il va chercher une tasse. Bah, la tasse, je veux qu'on voit ce qui est écrit sur la tasse. Donc, je dis, hop, bah, il y a sa main qui rentre, donc plan serré sur la tasse, avec la main qui arrive, qui va le chercher, qui sort la tasse. Donc, plan d'insert, etc., etc. Voilà. Et ici, vous voyez, par exemple, il y a des couleurs. Donc, en fait, c'est comme si tu faisais une sorte de pré-montage un peu, déjà. Par exemple, là, dans la séquence 2, il y a du rouge ici et du rouge là. En fait, c'est parce que c'est les deux mêmes plans. D'accord. Parce que là, par exemple, c'est un champ contre champ, en fait, où elle parle à son chéri Clément. Donc, il y a ré réplique de Lara, tac, Clément, t'es très belle, hein, contre champ, et hop, réplique. Mais ça, au tournage, les plans en rouge, on les fait d'une traite, tu vois. Et ça permet de voir bien le découpage et voir comment ça se passe. Et voilà. Donc, c'est une sorte de faire de pré-montage écrit de ton film. Donc, il faut vraiment réussir à se projeter un peu de la chose. Et voilà. Et c'est surtout des documents qui sont très importants, ne serait-ce pour toi déjà, pour poser les choses, être assez clair quand tu le vois écrit, mais aussi pour ton équipe technique, par exemple, ton chef opérateur, de savoir, c'est un plan serré, il est en mouvement, il n'est pas en mouvement, etc. Il va savoir quelle optique choisir, où mettre la lumière, quelle machinerie avoir. Si c'est un plan fixe, ce sera un trépied. Si c'est un plan en mouvement, ça sera soit un travelling, donc une dolly, donc tu sais, ce genre de Ouais. chariot, etc. Ou un steadicam ou un movie, donc c'est les trucs avec les bras où tu accroches la caméra pour faire des mouvements fluides. Donc voilà, donc tout ça, c'est des éléments qui, pour toute ton équipe, en fait, même pour ton chef déco, pour ta script, etc., etc., qui font un dépouillement, qui font le décompte, qui calculent combien de temps va prendre la scène, etc., etc. Donc c'est un document hyper important. Et de là va découler tout le travail des autres, en fait. D'accord. Donc en fait, c'est toi quand tu fais ton film, il existe déjà dans ta tête en fait. Ah, clairement. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un de très visuel. Et dès que tu... Je sais pas si tu connais la série Scrubs. Oui, je vois, mais j'ai jamais regardé. Tu as le personnage, en gros, bah, c'est dans un hôpital, mais le personnage est un peu fou. C'est-à-dire que dès que quelqu'un lui dit un truc, il y a ses yeux qui partent comme ça et il s'imagine la scène. Et ben moi, ça, je suis exactement pareil. Là, tu vas me dire une phrase, tu vas me sortir une phrase. Je vais bugger une seconde parce que dans mon cerveau, je vais tout de suite la projeter et la voir, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je marche comme ça. Et voilà. Donc, ça permet, oui, c'est sûr qu'il faut se projeter, réfléchir, regarder, tout ça. Et sinon, pouvoir faire des repérages, aller voir dans le lieu, voir les déplacements, demander à un pote de faire les déplacements et se dire ce fameux. On place le doigt, ce fameux truc de réalisateur un peu nul, mais qui au final très, Au final, très, ça marche. c'est pas mal, ouais, tu te projettes un peu plus, quoi. Voilà, donc, mais quand tu choisis tes plans, bah, le but, c'est de se dire, qu'est-ce qui est important dans le plan? En fait, il faut se dire que chaque plan doit être utile. S'ils sont pas tous, c'est pas très grave, mais à la base, il faut se dire que chaque plan doit être utile. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends ce plan-là, c'est un plan large, pourquoi? Parce que je veux montrer l'espace dans lequel le personnage va se balader. Et puis ça permet d'avoir une information, parce que s'il est chez lui, s'il est à l'hôpital, si, il est dans un garage automobile, etc., ça va nous permettre de savoir tout de suite à quoi on va avoir affaire. S'il est dans un garage automobile, il se dit, bon, bah, ça se trouve, il a une crevaison, etc., etc. Donc se dire que chaque plan voilà, doit être utile et doit donner une information ou une émotion, appuyer une émotion, etc., etc. Donc voilà. Mais dans le livre de Ludoc, il l'explique très 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 bien. Et il fait même des vidéos d'ailleurs gratuites sur sa chaîne YouTube où il explique tout ça, les champs contre champs, les règles des 180 degrés. Parce qu'il y a plein de petites règles comme ça, où ce qu'on appelle les règles des 180 degrés, c'est plus le raccord regard. Ouais. C'est-à-dire que si tu as deux personnes comme ça, bah tu vas. Bah avec les mains, ça va être nul, mais en gros, bah, en vrai, je peux le montrer. C'est-à-dire J'ai que dans le l'impression de découpage. parler à eux, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ce travail-là, d'ailleurs, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Quand tu as fait ce travail-là, alors on n'est pas obligé de le faire tout le temps, évidemment, mais ce qu'on appelle des plans au sol. Des plans au sol, c'est-à-dire que, en gros, là, vous voyez, en gros, tout ça, c'est l'appartement et on a le déplacement des. Voilà, par exemple, la première scène que vous avez vue, il y a Lara qui est ici. Donc, il y a la caméra ici dans la penderie. Elle fait le mouvement jusqu'ici. Il y a la deuxième caméra ici qui la prend dans le miroir. Elle part ici. La caméra qui se trouve là, elle est entrebâillée, machin. Et après, là, c'est la suite de la scène. Donc, tu as Clément, le personnage de Clément qui est dans le sofa, etc., etc. Et ça, voilà, ça, c'est un travail c'est bien de le faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir effectivement après toutes les infos ici. On reprend les infos. Mais ça, c'est un petit soft que je pourrais. On va en parler un peu, qui est hyper pratique.
et qui est super, super bien. Donc, ça permet de faire les plans au sol. Et pareil, ça permet au chef-op, par exemple. Donc, le chef-op, c'est celui qui va gérer la lumière, ton cadre, la caméra, etc., etc. Ça va lui permettre de savoir où est-ce qu'il peut mettre sa lumière pour pas qu'elle Ouais, soit une vue à perche, un l'écran, truc, ouais. une perche, etc. Et de lui-même reprendre ton travail et rajouter les lumières pour pouvoir en parler et discuter ensemble. Et du coup, ça devient très, très clair. Par exemple, moi, j'avais fait ce travail-là et dans mon court-métrage, j'ai un plan séquence de 3 minutes, 3 minutes 20, mais juste entre ici, la chambre. Et le salon et la cuisine. Pendant 3 minutes, 20, il y a un plan séquence où on part d'un plan avec les deux personnages, on arrive et on revient sur les deux personnages, mais genre de nuit, de jour, etc., etc. Et du coup, d'avoir fait ça avec les flèches, les plans, etc., ça a permis à mon assistant réalisateur de pouvoir organiser un peu la danse à faire pour les techniciens, parce que du coup, pendant qu'on tourne, on enlève des fleurs, on en remet, on change la lumière, etc., Oui, etc. carrément, ouais. Ouais, bah pour ceux qui. C'est Il y a un cool. truc qui a pas mal tourné sur Internet, c'est le making-of du plan séquence de la série faite par Michel Gondry et Jim Carrey. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, tu as un plan séquence où tu as l'appartement qui change. C'est une femme qui est droguée, qui est dans un appart tout pourri et qui change grâce au discours que Jim Carrey fait dans la télé. Et du coup, plus ça passe, c'est des semaines et des mois qui passent, et tu vois l'appartement qui change, elle qui change, qui se drogue plus, qui a une belle coiffure, etc., etc. Et il y a un plan, il y a un making-of de ça, et c'est hyper intéressant. Voilà. Donc ça permet effectivement de faire des plans au sol. Et après, il y a aussi ce qui est le storyboarding. Mais le storyboarding, c'est quand même une étape assez longue, qui peut être un peu chère si tu dessines pas, enfin, voilà. Donc le storyboarding, c'est de faire un peu le découpage, mais en vignette où tu dessines, quoi. Tu dessines Ouais. chaque vignette. Par exemple, pour Lara, moi, j'ai pas eu le temps de le faire et j'avais déjà suffisamment très bien les choses en tête pour pas devoir le faire. Mais c'est vrai que tu as D'accord. vraiment des gens qui sont storyboarders Ouais. et qui font ça très bien. D'ailleurs, sur Anita, je sais pas Oui, ça si peut. j'aurais pu Et puis vous avez regarder. toutes les valeurs de plan, Exactement, les ouais. indications de mouvement et tout. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et en gros, il y a un petit soft qui est gratuit. Enfin, je sais plus s'il est gratuit ou payant, mais s'il est payant, ça doit être 2-3 euros. Et ça s'appelle Shot Designer. C'est J'ai ça. une question pour toi. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça se fait, je sais dans l'animation ça se fait, mais tu sais, des animatiques de storyboard. Oui, ça se fait aussi. Ouais, des Ok. animatiques. Ouais. Donc Bah, pour par ceux exemple, pour qui Disney, ouais, ça pour peut ceux qui savent arriver. pas, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est une animatique? Une animatique, en gros, c'est une sorte de brouillon d'animation de ton. Donc, c'est avec des c'est pour montrer les C'est en mouvements, soit croquis c'est un crado, ouais. croquis que tu animes un peu, quoi. Ouais. Pour montrer soit un mouvement de caméra, le mouvement d'un personnage, le déplacement, etc. Donc, c'est quelque chose de très brouillon, quoi. C'est Oui, pas une c'est ça. animation Mais ils prod, font etc. tout le film comme ça. J'étais allée visiter les studios Pixar et ils faisaient des projections, des animatiques, des films avant de passer à la production. Et s'il y avait des choses à vidéo et tout, c'était à cette étape-là qu'ils le faisaient en fait. Bah, en Ah, plus, là, c'est fou. les animatiques, pour le coup, pour tout ce qui est film Marvel, Ouais. les films Marvel, c'est assez fou, c'est qu'ils font quasi tout le film déjà en 3D. Mais en 3D tout dégueu, avec des animations un Ok. peu dégueu. Mais ils font quasi tout le film pour qu'au tournage, ils savent déjà tout de suite ce qu'ils doivent tourner, etc., etc. Et c'est assez fou, vraiment, tu vois vraiment le film en 3D, mais une vieille 3D des années 80-2000, quoi. Enfin, Ça doit être 2000, trop marrant, 80. ça doit être super collector de voir ça en Ouais, fait. mais tu peux en trouver, je crois, hein, sur Internet. Et effectivement, tu revois les scènes et tout. Et ça permet surtout, parce que bah, c'est énormément d'argent, énormément d'équipes techniques, énormément de moyens, de caméras, etc. Et puis, c'est industriel, tu vois. Donc, ils n'ont pas le temps de perdre du temps sur le tournage. Ouais. Donc, tout est déjà précalé, parce que c'est des équipes je sais pas, t'as 50 personnes, voire plus, sur un même tournage. Donc, même si tu es un bon réalisateur qui arrive à bien choper les trucs, au bout d'un moment, tu peux pas non plus parler à tout le monde non-stop parce que c'est de la perte de temps, quoi. Donc voilà. Donc ouais, pour Ouais. animer. Donc ça, c'est le genre de truc, ouais, c'est des animatiques. Ouais, ça se fait pas mal. Je vous conseille, moi je suis le compte Instagram, il est un petit peu entertaining, c'est assez marrant, de Indie Filmmakers. Il y a des petits behind the scenes, des petits des tournages, Je comment peux ça voir se ce que passe et c'est, tout. ouais. Il y a des trucs rigolos, c'est toujours 10 secondes et c'est marrant. Ouais, franchement, il y a des trucs. Alors attends, je récupère un petit peu les commentaires. Bien sûr, bien sûr. Parce que en fait, c'est hyper cool de t'entendre parler. Joël qui dit j'ai acheté le bouquin de Ludoc la semaine dernière et je le dévore. Ah, il est chouette. Jamila demande c'est obligé de faire un découpage technique? Bah, je pense que tu as répondu un petit peu à la question, c'est vraiment pour l'équipe.
Ouais, c'est pas obligé, hein, mais en fait, ça permet de toi de bien prendre du recul et de se dire, ok, c'est cool, voilà. Et voilà, enfin, moi, je trouve que c'est toujours un travail intéressant à faire avant. Genre intéressant. Oui, carrément. Joël dit le dire de prendre, on a besoin pour son devis, le premier assistant pour le plan de travail, etc. Ouais, exactement. Oui, en plus, ouais, il y a tout ça. Puis, bah, pour l'équipe, hein, pour la déco, etc., etc. Mais. Alors, je regarde un petit peu. Regarde Non, si bah j'ai. écoute, je crois que c'est bon. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. En fait, c'est rigolo parce que moi, je t'ai proposé qu'on parle de comment on fait des films et. Finalement, un peu naïvement, je pensais qu'on allait parler plus de après. Et je me De la rends compte que, bah, post-production, tout ça. ouais, mais de la quantité de travail que ça représente de préparer un film, en fait. Ah ouais, t'arrives pas comme Et, ça. ouais, c'est ça. Et en fait, on ne se rend pas compte pour ceux qui ne travaillent pas là-dedans. Bah ouais. Et du coup, bah, juste pour montrer ce petit truc, mais très très après, parce qu'il est très très facile, on peut créer des nouvelles scènes. Et en gros, il y a deux personnages là de base, et on peut leur ajouter, on peut dire, va marcher vers, vient de tel endroit, lui mettre des couleurs, lui mettre, bah, si c'est une fille, un garçon, ajouter des petits trucs, et ça permet de faire des. On peut mettre des traits, enfin, il y a un truc un peu architecte où tu peux recréer la. Si je viens un peu sur une scène, par exemple, moi j'avais fait à la séquence 1, par exemple, voilà, que vous avez vu en PDF, bah ouais, tu vois, je peux déplacer, donc ça suit, la flèche suit bien, on peut faire des petits mouvements, du coup ajouter des petits éléments. Il y a même des petits trucs genre des chiens, des armes à feu, des Oui, et téléphones, des guns et etc. des chiens. Et du coup, ça nous permet de recréer un peu, donc c'est des plans au sol, donc c'est une sorte de top shot de ce que tu fais. Et voilà. Et du coup, ça permet de placer ta caméra et ici d'avoir toute la liste des infos. Donc là, c'est gros plan sur le visage, la raconte par les robes, close-up, etc., etc. Donc c'est un petit soft hyper simple. Je ne vais pas vous faire un tuto parce qu'il y a vraiment une vidéo de 5 minutes qui explique sur YouTube où vous trouvez tout ça. Je trouve qu'il y a, enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt ici de prendre du temps pour ça. Mais du coup, ça permet de faire la liste des plans, de dire ce qui s'y passe et de vraiment montrer les déplacements, etc., etc. Et en plus, on peut faire une sorte de montage sur 3 plans. Donc, on peut faire des déplacements et une sorte d'animation un peu de déplacement des gens, etc., des personnages. Donc la shot designer, ça qui est vraiment pas mal, quoi. Ça permet vraiment de placer un peu tes caméras, etc., de les lister. Ça, c'est un truc vraiment, vraiment très pratique. Mais je regardais un peu, maintenant, j'ai pas de. C'est dommage, je l'ai pas là. Le storyboard qu'on avait fait sur Anita, le court-métrage qui était sorti. Là, tu vois, par exemple, j'ai des. On faisait les repérages, là, par exemple. Donc on voyait, tu vois, là, la hauteur, des lieux, etc. On regardait les lieux, la salle, Et etc. quand Et tu du fais coup, les repérages, t'es déjà avec une caméra, un truc, ou c'est juste t'es pas forcément avec filmé la caméra. Là, bah, tu vois, par exemple, là, c'est mon chef-op qui a une application. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une application, en gros, qui te permet de faire les différentes focales. Donc Ouais. 50 mm, 50 mm, enfin 100 mm, 200 mm. Et le format, tu vois, bah, par exemple, ici, on voit cadrage. Donc, c'est Ah, l'application trop qui fait cool. ça. Où là, il dit l'orientation avec le soleil. Donc, Ah ça, c'est pratique ouais. quand tu es dehors, etc. Avec le 12 mm, voilà ce que ça donne en termes de Ouais. cadre. Et le recul. Le style, là, c'est une raid épique 2K, etc., etc. Donc, ça permet, pendant tes repérages, effectivement, déjà caler, voir quel genre de plan et quelle optique. Parce que Ouais. même ton chef-op, il doit savoir quelle optique utiliser. Tu vois, moi, sur Lara, il m'a dit, on a le droit à 4 optiques. J'ai dit, bah, il me faut un 50, un 80 et un 33, etc., etc. Et du coup, mais, ah, j'ai plus le nom. Il faudrait que je retrouve ce nom-là. Et voilà. Là, pareil, tu vois, par exemple, il me fait des différents cadres. Là, il dit, 12 mm, ça fait ça, 16 mm, ça fait ça, 35 mm, ça va cadrer plus là-dessus. Ok. Quand tu dis tu as le droit à quatre optiques, c'est parce que c'est la limitation de budget de. C'est ça, ouais. Ok. Bah oui, parce que si t'as Bah oui, si tu 20 as tout, optiques, vas-y. allez, vas-y, on les teste Ouais, tous. Mais ça, mais c'est là, faut prévoir avant. sur mon dernier cours, c'était. Moi, je voulais vraiment ce qu'on appelle les optiques anamorphiques, qui donnent en fait une sensation plus cinéma, avec des flous plus intéressants, qui sont pas ronds, qui sont un peu ovales, etc. Sauf que c'est des optiques. La série de cette optique, par exemple, à la location jour, c'est 10 000 euros minimum. Et la valise de cette optique, c'est 500 000 euros à l'achat.
Alors moi j'ai eu des plans grâce à des potes. Enfin, mon chef-op connaît le loueur, etc. Donc on a eu 1 200 euros la semaine et quatre optiques. On n'avait pas le droit de plus sur les Okay. sept. Donc, et plus l'assurance, parce que tu payes une assurance, parce que quand tu as une valise sur le tournage qui coûte 500 000 euros. 500 000 euros, mais c'est incroyable, c'est Bah ouais, fou. parce que c'est des optiques très très rares, enfin très rares, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, etc. etc. C'est incroyable. Donc, bon, ça sert à rien, c'est un Comment taf. tu finances ces projets? Là, Lara, c'est avec le CNC. Ok. CNC Talent, parce que tu as le CNC qui est classique, qui est une aide, mais du coup qui est très compliqué à avoir. Et tu as le CNC Talent qui est plus sur le web. Donc en gros, c'est pour une diffusion web, bah, ils vont te donner de l'argent pour un projet D'accord. qui sera diffusé Est-ce que sur le web. la particularité du CNC, c'est que tu dois apporter la somme qui te donne, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, si tu fais un devis, par exemple, tu leur dis, bah, moi j'aimerais bien 25 000 euros, il faut que tu justifies 25 000 autres euros, par exemple, Ouais, que tu apportes que ta toi-même. prod apporte. Mais ça peut être en nature, c'est-à-dire que si t'as ton. Bah, en gros, tu ramènes les gens que toi tu payes. Par exemple, moi sur le film, il y a des gens qui n'ont pas été payés, dont moi, dont mon co-auteur, D'accord. dont mon chef-op, qui a décidé de ne pas être payé parce qu'il s'est dit, bah, comme ça, on va pouvoir plus payer des optiques. Mais du coup, c'est des choses que tu mets aussi dans le devis, tu vois. Ou le fait de, D'accord. je sais que le montage, moi, je vais le faire, ou je vais demander à un pote de le faire, bah, c'est quelque chose que je ne vais pas payer, mais qui rentre quand même en compte dans le devis, quoi. D'accord, ok. Donc c'est plutôt le coût global plus C'est que ça. le En gros, tu prends prix le coût qui est global, tu le affiché. divises par deux, quoi, et tu demandes ça au D'accord. CNC, en Ah, c'est gros. intéressant. Ok, je ne Ouais. savais pas ça. C'est ça. Et du coup, bah, après, tu as des comptes à rendre, hein, évidemment, au CNC. Hein. Faut que ta productrice, producteur, doivent faire tout de la compta, quoi, et pouvoir prouver qu'effectivement, tout a coûté ça. Donc, c'est pas genre, j'y vais, il n'y a pas de Oui, c'est souci. pas genre, allez, je suis réal, 10 000 euros par jour, c'est bon. Allez. Il y a Joël qui dit, c'est Artemis, je pense, l'app du chef Artemis, pour les focales. exactement. Merci. Merci, Trop au bien, taquet. c'est exactement Artemis. Trop cool. Ouais, comme ça, on la note. Écoute, le temps passe vite. Bah Donc ouais, là, du coup, t'as un. finalement, j'avais plein de trucs à montrer, mais je Bah, les il ai y avait pas. plein de Parce trucs que, à montrer, bah, mais tu on sais a pas. beaucoup papoté. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir appris plein de trucs, je sais pas vous. Bah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu nous. Vas-y. Voilà. Bah, je sais pas. Bah, par exemple, pour Lara, j'avais fait un. Bah, par exemple, là, c'est ce qu'on appelle un mood. Donc, par exemple, bah, ce que je dis là, Clément, je dis, bah, il vient d'une petite ville en Alsace. Donc, tu vois, ça, on ne le sait pas du tout, du tout, du tout Dans dans le le film. film, mais Mais nous, ça moi, nous ça me permet de permet, et capter. même les comédiens, ça permet de rentrer dans le truc, tu vois. Donc, après, on parle du stylisme. On dit pourquoi, quel style, tout ça. On cherche des petites refs, tu vois. Pareil pour Lara, etc. Là, c'était des petites photos que j'avais fait déjà des deux comédiens, ce côté ensemble. Donc, tu vois, on va chercher des choses comme ça, des styles de la maman. L'appartement, bah, là je suis allé faire des photos de l'appartement, dire bah voilà pourquoi cet appartement, quel style, etc. etc. Tu dirais que ça prend combien de temps, film, et ça prend combien de temps la pré-production, toute cette étape dont tu nous parles? Bah là par exemple, Lara, c'était 5 jours de tournage. Bah le scénario, ça c'est impossible à te dire parce que ça peut te prendre 5 ans comme 3 semaines, comme ça va dépendre. Moi, ce court-métrage-là, je l'avais écrit il y a longtemps et je l'avais laissé dans des cartons et je l'ai ressorti 5 ans plus tard, donc pour te dire. Bah après, tout ce qui est repérage, tout ça va dépendre du projet, tout ça. Mais par exemple, là, sur Lara, j'ai mis 2 mois quand même à trouver l'appartement que je voulais. Mais de toute façon, vu qu'on était en attente des financements, j'ai pris vachement les devants, tu vois. Mais en vrai, ça peut prendre le mood, montrer le stylisme et tout ça, les recherches. À faire techniquement, ça te prend 2 jours, quoi. Mais après, c'est plus le temps de réfléchir, de penser, d'être sûr de ce que tu veux, du stylisme, enfin, tu vois, de tout ça. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a le mood, tout ça. J'ai pas le dossier là, mais pareil pour le CNC, tu dis, bah, tu as la note d'intention, tu as le mood. Donc, quand tu envoies effectivement au CNC ton dossier, tu as tout ça. Tu as la note d'intention, le mood board, tu dis tes rêves, tu chopes aussi des rêves de films pour te dire voilà, je veux telle lumière, telle ambiance, etc. etc. D'ailleurs, il y a des films qui sont il y a des sites qui sont intéressants qui permettent de récupérer des screenshots de films. Par exemple, il y a hop, ça ce site-là Ouais, trop qui cool.
qui en fait va faire des screenshots, tu vois, là, je sais pas, par exemple Tomb Raider, après tu peux les chercher toi-même, bah, il va te faire plein de screenshots de plans intéressants, tu vois. Tu C'est peux... trop marrant de voir la couleur et l'unité du film. Ouais, tu vois, bah, du coup, c'est hyper intéressant. Et ça permet effectivement de, au lieu d'aller télécharger le film, de faire des screens, etc., Purée. etc., ça permet, voilà. Donc, il y a par exemple film-grab.com qui est intéressant. Et il y en a un autre que j'utilise aussi, c'est Movie Screen Caps, et, qui permet pareil de choper des trucs. Bah, là, par exemple, il y a les Harry Potter. Et c'est des screenshots. Bah, lui, il met Ah beaucoup ouais, plus lui, de il y en screenshots, a la tu masse, ouais. vois. Donc, mais tu vois, il fait plein de screens et tu peux aller les chercher et puis ils sont soit en HD, soit en 4K, etc. Et du coup, pouvoir faire ton dossier comme ça. Et même pour toi d'ailleurs, hein, moi je trouve ça super intéressant de dire. C'est trop Parce que tu cool, ouais. t'inspires toujours de quelque chose, hein, créativement parlant, quand tu fais du motion, du Photoshop, etc. Même toi, j'imagine, dans tes créations, tu vas sur Behance, tu vas sur, enfin, Ah, je sur vais un truc partout, Pinterest, etc. ouais. etc. pour chercher et t'inspirer, puisque enfin, l'inspiration vient un peu de partout. Et ben ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Ces deux Ouais, c'est sites, bon, moi, je hyper sais que cool, ouais. j'utilise ces deux sites ici-là, FilmGrab et Movie Screencaps.com. Et c'est vachement pratique, quoi, dans ta recherche. Et voilà, mais en tout cas, combien de temps ça prend, ça va dépendre de... Tu vois, c'est toujours pareil, quand tu fais un motion, tu dis, bah, techniquement, à faire le motion, l'animation, ça m'a pris 3 jours, mais peut-être que ça t'a pris 1 à 2 semaines à la réflexion, à la recherche, Ouais. etc., etc. Donc, ça va dépendre de plein de choses, quoi. Mais après, techniquement, ça prend pas ça, voilà, ça peut prendre 1 à 2 semaines de prépa, vraiment pour écrire les trucs, etc., etc. Et si tu es bien sûr de ce que tu veux faire, après, si t'es pas sûr, bah, du coup, ça va être plus de temps parce que tu vas plus mettre de temps à le maturer, quoi. Carrément. Pas mal de semaines de procrastination. Ben, en plus, oui, il y a ça, mais c'est important aussi de se dire, ok, j'ai 2 jours, ou j'ai un jour, j'arrête. Je pense pas du tout à ça et je reviens dessus 2 jours après. Parce que, mine de rien, ça permet d'avoir les idées claires sur la chose, quoi. Donc, Bah écoute, trop voilà, bien, donc ça, c'est c'est pour super cool. ce qui est ça. Mais après, ben, puis ça dépend si tu le fais pour toi ou si pour des clients. Parce que Ouais. quand tu as, par exemple, moi, je travaille beaucoup pour Disneyland, effectivement. Et ben, du coup, tu travailles, bah là, les plans au sol, etc., je les fais déjà parce que du coup, tu t'en parles au direct. Quand tu travailles avec une directrice ou un directeur artistique, tu travailles un storyboard d'ailleurs. Souvent, le directeur artistique qui fait le storyboard. J'en avais demandé un, mais là, c'était un peu trop tard. Je lui ai demandé ce week-end et tout ça, du pass annuel, donc d'un film que j'ai fait avant. Je pourrais pas vous le montrer là. Mais du coup, ouais, tu travailles en binôme, mais pour un client, c'est encore différent. Mais tu fais un peu tout ce travail-là. Quand même, donc de storyboard, etc., pour que le client puisse voir, pour que... parce que c'est compliqué quand t'as un client, quand toi t'es dans ta tête et que c'est ton projet, ça va, mais quand t'as un client, tu dis, bah voilà le découpage de mon film, bah faut que t'ailles vraiment plus loin dans la description, tu vois, même le tableau que j'ai fait là, que vous avez vu, bah faut vraiment aller plus loin, tu vois. Des fois il y a des tableaux différents, des fois je vais mettre carrément le scénario à côté dans le tableau. Et le bout du scénario, je vais vraiment dire, bah, tiens, ils sont en train de dire la réplique là, donc en face, c'est telle action, tel plan, tel truc. Donc Ok. des fois, il faut être beaucoup plus précis. Et voilà. Et après, pareil, tu fais les repérages sur le pas. C'est ce que je préfère d'ailleurs chez Disney, c'est d'aller faire les repérages dans le parc. On fait Ah, mais souvent trop de cool. nuit d'ailleurs, et c'est trop sympa. Et ça permet de, bah, déjà caler, bah, voilà, par exemple, avec mon chef-op, on arrive avec soit la caméra, soit Artemis d'ailleurs. Pour voir et la lumière, comment elle passe à telle heure, voir la météo dans 2, 3 jours, comment ça se passe, et de checker les lieux, de voir ce qu'il faut ajouter en termes de déco. Donc, souvent, tu te déplaces, les premiers repérages, c'est ce qu'on appelle un repérage technique. Donc, tu as le déco ou la décoratrice qui vient, tu as le chef opérateur, tu as l'électro aussi, souvent, ça peut être pas mal. Donc, c'est lui qui va gérer l'installation de la lumière. Donc, tu as toutes ces choses-là. Et voilà, et après, hop, c'est parti, tu es sur le tournage et tu kiffes parce que c'est trop bien un tournage. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Au final, ça va être difficile de montrer un autre truc s'il reste, je ne sais pas si on a 1 heure pile ou si. On a 1 heure pile, on a 1 heure 5, 10 max. D'accord. On peut rentrer dans un truc. Oui, Mais. Mila dit, mes producteurs m'ont toujours demandé le découpage technique. Ouais, ben ça, ouais. Mais il faut, moi, j'aurais tendance à dire il faut, quoi, il faut le faire. Et puis, même si c'est pas pour un client sur le projet du début, peut-être pour s'habituer en fait à le faire déjà, ça peut être un exercice qui est cool. Bah, c'est surtout qu'il faut se dire qu'un film, c'est pas que toi. Et que les gens qui travaillent du coup avec toi,
ben, ils ne sont pas dans ta tête. Donc, le but, c'est que ce soit le plus clair possible pour les gens avant le tournage. Parce que pareil, et ça va être le cas de plus en plus, c'est-à-dire que sur des tournages, ben, y a moins en moins d'argent et moins en moins de temps. D'ailleurs, c'est intrinsèquement lié, de toute façon. Et du coup, moi, je sais, par exemple, pour Lara, pour le cours, là, je vous ai montré le début, et ben, j'ai tout préparé, j'ai fait plein de réunions avec mon chef-op, avec mes comédiens aussi, pour faire des petites répétitions, pour que le jour du tournage, j'ai le besoin de moins expliquer les choses, pour être vachement avec mes comédiens et travailler avec eux. Je sais que, par exemple, mon chef opérateur, il me dit, OK, on a cette scène-là. Donc, je sais qu'il savait qu'on allait passer à la scène d'après et il savait exactement quelle lumière il fallait mettre et quel objectif il fallait mettre en place, etc. etc. À la limite, il me dit juste, bon, c'est bien 80 mm, machin, tout ça. Je lui dis oui, lui, il y va et moi, je reste avec mes comédiens et je peux, du coup, être vraiment avec eux parce que bah, c'est le cœur du truc. Et puis, les comédiens, c'est un être plein d'émotions, plein de doutes et tout ça. Donc, il faut être avec eux pour pouvoir les rassurer, et essayer de leur parler, d'essayer de leur transmettre ce que toi tu as en tête en termes d'émotion, de déplacement, etc. etc. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de bien préparer. Et ça, ça te fait gagner un temps fou. Et c'est surtout que ça permet, parce que je sais qu'il y a des réals qui préparent pas trop et qui aiment bien improviser. Moi, j'ai des potes, ils me disent, ouais, moi j'aime bien improviser, trouver des trucs sur le moment et tout ça. Et moi, je dis, bah moi j'adore improviser. Il fait, mais non, mais tu fais tout avant. Je dis, bah justement, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'improviser sur une base très structurée. Parce qu'en fait, quand tu improvises un truc, bah, les gens, pareil, ils ne sont pas dans ta tête. Donc quand tu as tout bien découpé, alors après, c'est ma façon de faire, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais quand tout est découpé et quand tout est fait et les gens savent exactement ce qu'il faut faire, et là tu dis, ah non, je vais changer, je vais faire ça, bah, les gens, ils savent de quoi tu pars et pourquoi tu vas le faire. Alors que si tu improvises comme ça à l'arrache, de mon point de vue, bah, ça va être difficile de vraiment faire comprendre aux gens autour de toi ce qui se passe, que ce soit aux comédiens, que ce soit à la technique, etc., quoi. Et il n'y a rien de pire que des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui le font sans savoir vraiment, parce que du coup, c'est là où tu fais les erreurs, etc., etc. Donc voilà, donc c'est pour ça la préparation, moi je trouve que c'est hyper important et ça me permet de vraiment improviser mais librement quoi. Je me dis bon ben on va tout casser là parce que finalement ça marche pas là, mais au moins je sais pourquoi et je suis quand même Oui, c'est sûr. ce que j'allais te demander. Est-ce que tu restes flexible, tu vois, si tu as tout préparé, tu as fait ton scénar, tu as fait ton découpage, tu as ton storyboard, tu as fait tes réunions et tu arrives sur le moment et il y a un truc, ça va pas. Bah, ça peut arriver, et ça peut même arriver Tu... assez régulièrement. Bah, au moins, tu sais pourquoi ça va pas. Et Ok. tu, Il faut enfin. le laisser partir, quoi. Il n'y a pas un truc de tu Ah ouais, mais t'accroches de toute façon, faire un au film, c'est plein de petites morts, hein. C'est-à-dire que tu truc. l'écris, une fois que tu l'as écrit, tu reviens dessus. Donc, si t'as un co-auteur ou t'as quelqu'un, tu vas forcément le changer. En gros, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que dans le cinéma, tu refais trois fois ton film. T'as l'écriture, le tournage, le montage. C'est-à-dire que même des fois, au montage, tu vires des scènes ou tu la montes pas du tout comme tu l'avais imaginé parce que finalement, Tu ça vires un marche. acteur et tu fais un problème politique. Par exemple, mais tu vois, même en Ouais. montage, moi, le fait d'avoir, du coup, le découpage est vachement bien et très précis. Au tournage, ça fonctionne. Et du coup, si je veux un nouveau plan, un autre plan ou finalement un plan, limite sur Lara, j'avais plus de plans que ce dont j'en avais besoin. Du coup, il y a même plein de plans qui ont sauté. Mais au moins, je sais pourquoi j'en avais pas besoin. Parce que, et je sais, et j'étais pas en train de me dire, tiens, il me faudrait un plan en plus ici. Je savais que j'avais déjà des plans en plus en tête, mais que finalement, j'en avais peut-être pas besoin. Et au montage, alors ça laisse un peu moins de liberté au monteur. Quoique, c'est-à-dire que, vu que c'est très bien découpé, donc il a un peu le montage déjà de préfet. Et au moins, ça permet de tester beaucoup plus facilement les choses. Là, tu dis, ah bah, ton découpage, il marche pas, donc on peut passer à autre chose et faire autre chose. Je trouve aussi que le bel exercice d'un réalisateur, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que de dire que déjà ton film, quand tu le partages à des gens, enfin quand les gens, moi une fois que j'ai fini de l'écrire, à partir du moment où tu as l'équipe technique, les gens qui travaillent avec toi le lisent, disent ah oui, moi je prends tous les avis et les conseils de tout le monde, parce que je trouve ça hyper enrichissant.
Et du coup, il ne m'appartient plus. Il appartient à l'équipe. Et en plus, quand tu l'as féminine, il ne t'appartient plus du tout parce qu'il appartient au spectateur C'est qui voit rigolo parce que l'opéra. tout ce que tu nous expliques depuis 1 heure, c'était vachement sur le contrôle, le cadrage et tout. Et finalement, la conclusion, c'est oh, faut lâcher prise. Ouais, et ça, c'est un super Ça peut paraître exercice. Enfin, moi, je trouve hyper ça trop cool. Mais c'est pas contre-intuitif, évident, en hein. fait. C'est pas évident. Même des fois, de dire, quand tu as un monteur qui dit la scène, elle marche pas là, tu dis. Et il te dit, enlève-la, franchement, elle n'est pas utile. Et toi, dans J'ai ta tête, un tu ami, dis, oh, il m'a dit d'attendre 1 semaine après pour faire le montage ouais. de quelque chose, parce qu'il dit comme ça, t'es plus dans l'émotion du tournage. Ouais, ça, c'est pas bête, ouais. Ou même, ouais, c'est vrai que moi, le montage, je le fais 1 semaine après, en général. Et Ouais. même après une première version, je le laisse encore un peu. Ouais, comme Alors que ça, je ne tu fais pas coupes le pas des montage pendant une à deux décisions semaines. de ce que tu as vécu sur le tournage, Ouais. mais vraiment. Lara, on l'a monté en 1 semaine, tu vois. On l'a repris 1 semaine et demie, 2 semaines après. On s'est dit, ah ouais, mais il faut raccourcir, il faut enlever, il faut machin. Et effectivement, ça te permet. Mais de toute façon, c'est beaucoup de sacrifices, un film. En termes d'énergie, en termes de plein de choses, mais aussi en termes de. Faut lâcher. Enfin, le lâcher prise est hyper important. Parce qu'en fait, il faut se dire que c'est pas pour toi. Le film, il n'est pas. Enfin, c'est une sorte de psychothérapie que tu fais quand tu fais un film. Mais à la fin, le rendu final, il est plus pour toi, le film, il est pour les gens. Ouais. Donc, tu vois, si tu fais des private jokes et tu dis non, mais c'est une super private joke, c'est avec un pote et que les gens disent, ouais, on Ouais. comprend pas, bah, Ouais, viens bah. là, en fait, parce que ça marche pas. Donc, ouais, il y a du contrôle et il y a du lâcher prise, ouais. C'est marrant parce que c'est très contradictoire. Mais ouais, c'est, enfin, moi, je trouve ça trop cool. C'est intéressant. Mais c'est ça, c'est aussi des problèmes d'ego aussi. Tu vois, l'ego dans la créativité, ça rentre beaucoup en Ah compte. ouais, faudrait qu'on fasse une session là-dessus. Ah ouais, ça, putain, il y a des choses à dire là-dessus. Hein. Parce que dans le milieu Explique. créatif, surtout réel, dans des groupes, etc., etc., les égos, c'est souvent. Mais tout le monde a de l'ego, c'est juste Mais ça, c'est normal, à ouais. quel point il est situé. La Il gestion de faut la bien faire la. critique, Ouais. l'ego, mais c'est hyper dur. Il faut prendre vachement du recul. On travaille Ouais, tous là-dessus. ouais. Ça fait Il monter faut des se dire, il émotions. faut mettre son ego au service du projet, pas le projet au service de son ego. Et ça, faut faire très attention à ça parce que c'est ce qui fait qu'un film peut être pas bon finalement. Si tu le fais pour toi, ou enfin en tout cas que pour toi, c'est pas fou quoi. Donc voilà. Et en tant que aussi réalisateur, si je peux, enfin, moi un conseil aussi que je donne, surtout avec notre génération, et ce qui se passe, c'est de savoir faire plein de choses. C'est pour ça que, bah, comme tu sais, je fais du montage, du motion design, de la 3D, un peu des fixes. En fait, ça permet. En fait, moi, je vois le réalisateur comme un chef d'orchestre. Qui connaît au moins, enfin, qui connaît les instruments en règle générale, la base des instruments, et ça permet vraiment de parler le même langage à toutes les personnes. Je serais capable de parler au mec au son, de parler au mec à la lumière, à la machinerie, etc., etc. Et je trouve ça hyper important parce que ça permet d'ancrer les gens dans ton projet et qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent. Et ils s'investissent beaucoup plus, tu vois, à partir du moment où le mec il dit bon bah je suis payé à faire ça, et puis voilà je vais le faire. Alors que si t'as le réal qui dit tiens ça va, t'es bien, ok, par rapport à ta focale machin, bah, le mec il va se dire ok, il prend en compte ce que je dis, c'est cool. Donc c'est en fait faire un film c'est beaucoup de c'est être un peu aussi psychologue. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans, que ce soit pour soi-même et pour l'équipe autour quoi, parce qu'il faut pas froisser les égos, faut pas froisser donc que ce soit des comédiens, des techniciens ou même de toi-même. Donc c'est hyper J'adore ça, hein. Je trouve ça trop, trop, trop bien, quoi. Ce côté psychologique un peu de créer un film, c'est pas toujours évident, mais ça nous fait avancer, je trouve, en tant qu'humain. Ça permet de savoir gérer, jongler avec les gens. Je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper enrichissant aussi. J'en apprends tout le temps sur moi, tout le temps, dès que je fais un film et tout. C'est trop bien, quoi. T'évolues comme ça. Voilà. Eh ben, écoute, on aura finalement. T'avais préparé plein de trucs qu'on n'a Ouais. jamais ouverts, mais je trouve que c'était hyper Oh, j'ai quand intéressant même de parler ouvert de les tout petits ça. trucs de C'est découpage et tout ça. Oui, j'ai pas ouvert vrai. les projets Disney, Mickey, tout ça. Mais bon, après, c'est des trucs un peu plus qu'on retrouve peut-être un peu plus sur la chaîne parce que c'est After Effects, etc., etc. Mais Ouais, carrément, non, mais c'était moi. chouette de découvrir un peu cet univers. Il y a Joël qui nous dit, et même toi, sur le tournage, tu risques d'oublier des trucs que tu voulais faire si c'est pas écrit. Exactement. C'est pour ça Ouais. qu'on a une script. Enfin, je dis une script parce que c'est souvent des femmes, mais aussi des hommes, évidemment. Donc, une script qui est un peu ton bras droit. C'est-à-dire qu'elle a lu tout, elle sait exactement quel élément va à telle place. C'est-à-dire que si tu fais un plan large et tu as une tasse sur un bureau, le Ouais. plan d'après, quand tu changes ta lumière et tout ça, elle saura exactement que ta tasse était pile à cet endroit-là, même si le comédien l'a bougé, etc., etc., et pour faire le moins de faux raccords possible.
et celle qui va faire aussi le minutage. Donc, la personne, en général, une script, elle va même faire toutes les scènes, tous les mouvements et les répliques, elle va les faire chez elle, tranquille dans son coin, et elle va le minuter pour savoir combien ton film va faire de Ah, c'est temps. marrant. Ouais. C'est-à-dire que moi, je savais, là, il fait 20 minutes, mon film, et du coup, ma script, elle m'a dit, bon, bah, il fera 25-30 minutes. Et je lui dis, ouais, mais si on coupe comme ça, elle fait, ok, donc elle a recalculé, effectivement, ça a tombé à 21 minutes, tu vois, on n'est pas si loin. Est-ce que ça marche ce truc de une page de scénario, c'est 1 minute? Ouais, en général, c'est ça. Mais Ok. après, c'est selon si tu as beaucoup de textes, beaucoup de dialogues ou de déplacements, etc., etc. Mais c'est grosso merdo, ça, ouais. C'est, en Ok. fiction, en tout cas, c'est une page, 1 minute. Mais voilà, mais une script, un ou une script, c'est. Alors, c'est un peu la personne qu'on prend pas tout de suite. On va tout de suite prendre. Enfin, quand il n'y a pas trop de budget, etc., etc., c'est un poste qu'on va peut-être mettre de côté. Et moi, je trouve que c'est une erreur folle parce que toi, en tant que réalisateur, c'est difficile de te concentrer avec les équipes techniques, avec les comédiens. Et si en plus, tu dois penser au faux raccord, de se dire, tiens, ça, c'était placé juste avant tout ça. Ou même des fois, moi, je sais que par exemple, il y a ma script sur Lara. À un moment donné, dans le dialogue, elle me dit, ah tiens, au final, le dialogue, peut-être que là, donc elle se permet. Selon les réalisateurs, s'ils veulent ou pas, mais elle se permet des petites propositions de réécriture par rapport au, parce qu'elle dit, tiens, c'est peut-être pas cohérent par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ça. Donc elle fait attention à tout ce que soit, à tout, que tout soit cohérent dans un film, que ce soit les déplacements, les dialogues, etc., etc. Et ça fait gagner de un temps monstrueux et ça évite les erreurs, quoi. Moi, je sais que sur le tournage, je fais, ok, on a fait ce plan-là, on a fait ce plan-là, et je lui dis, tiens, pourquoi on devait faire ça? Et elle sait exactement, elle dit, ah bah parce que, nanana, nanana. Je dis, ok, cool, on y va, c'est parti. Et en fait, c'est ton deuxième cerveau, en fait, et c'est trop bien, donc faut penser à ça, c'est un rôle très important. Ouais, carrément. Joël nous dit, c'est un poste qui saute trop souvent, c'est dommage. Ouais, c'est exactement ça, et c'est très, Je très, rejoins très là-dessus. dommage. Ouais, carrément. Alors, on arrive à la fin. On va se faire couper dans 2 minutes. Ok. Du coup, je regarde un petit peu les messages. Mais voilà, Patrick dit, il faut faire beaucoup de plans pour faire un montage. Il ne faut pas hésiter. Alexandre vous a partagé l'agenda de la semaine. Je pense que vous l'avez vu passer un moment à l'écran. Donc voilà, tous les jours, toute la semaine, on sera là. Jamila dit c'était top, un peu de ma vie. Merci Arnaud. Oh yes, merci. Joël demande jusqu'à quel niveau tu peux faire des concessions. Tiens, ça c'est une question intéressante, mais on n'a pas le temps, on va se faire couper, je Là, suis c'est une désolée. question très limite, il faut 1 heure, mais jusqu'à quel point, bah, ça dépend en 2 secondes, ça dépend à quel point tu es ancré dans le projet. Si c'est une commande, bah, tu peux laisser un peu plus faire. Quand ça te prend vraiment à cœur, bah en fait, de savoir, en fait, tu fais des tableaux de pour et contre, quoi. Moi, je fais souvent ça. Carrément, ouais. Pourquoi ça me tient à cœur? Est-ce que c'est vraiment un truc qui vient de moi? C'est un peu mon histoire. Du coup, si c'est un peu mon histoire, est-ce que ça parle aux autres? Est-ce que ça parle pas aux autres? Donc, en fait, tu essayes de dédiaboliser un peu ça, ton sentiment de choses, pour prendre du recul, en fait. C'est juste, Ouais. voilà, tu fais tes tableaux, tu dis, et tu essaies de prendre, comme si c'était pas toi qui avais fait le film, tu dis, ouais, là, finalement, il y a peut-être des trucs à sauter, etc. Il n'y a pas de limite, mais après, bon, Ouais, c'est une bonne ça, idée, je faut pense que savoir faire c'est... la part des choses, ouais. Ouais, c'est un bon conseil. Quand t'as pas envie de l'enlever, il faut se dire, tiens, effectivement, voilà pourquoi j'ai pas envie de l'enlever. Même si ça me regarde que moi, voilà pourquoi, voilà. Faut assumer, quoi. Faut juste assumer. Alors, on a des questions qui sont revenues, mais alors là, je pense qu'on se fait vraiment couper parce que ça coupe à 10. Ah oui, d'accord. Bam, bam. Donc, il y a une question de Rémi sur la vidéo de vœux de Disney sur ton Behance. Et Ouais. bah, j'ai vu Franck qui disait qu'il avait envie de récupérer une session Mickey avec toi. Ok. Donc voilà, ce sera l'occasion. Ah bah cool, ouais, ok, Hop, super. donc bah, désolé Rémi. Mais voilà. Laurence dit super à faire aimer les lundis. Mais oui, les lundis, c'est merveilleux quand on aime bien son travail, c'est cool. Et voilà, je crois que... Attends, je crois que j'ai raté des trucs, mais non, il me semble que non. Voilà. Et bah écoute, c'était cool. Moi, j'ai appris plein de trucs en tout cas. C'était Yes, cool de cool. papoter avec toi. Yeah. Je vous fais plein de bisous. Franck sera là demain à... Ah, il nous dit qu'on se fait pas couper en 2 secondes. Bon. Ça ira. Mais il dit qu'il est là demain à 10 h pour une session Illustrator. Donc, à le rejoindre. Et puis sinon, bah, tout le reste de la semaine à 14 h. Et puis, avant.
développement. Voilà, je crois que c'est bon. Eh ben, merci Arnaud, c'était hyper Merci à cool. toi, merci à tout le monde, hein. J'embrasse Ouais, désolée de te couper comme ça, on avait encore Ah plein de non, choses à mais enfin, raconter, mais beaucoup parlé. voilà. Déjà, c'est déjà bien. Eh ben, merci tout le monde, je vous fais tous des bisous et passez une bonne semaine. Voilà. Merci. Salut.